Les fleurs de l'érythrone d'Amérique apparaissent généralement vers la fin du mois d'avril. Elle est facilement identifiable avec ses fleurs jaunes aux pétales recourbés et ses feuilles tachetées. D'ailleurs, son nom anglais, trout lily, vient de la mouchture de ses feuilles qui rappelle celle de la truite. L'érythrone d'Amérique est une espèce dite éphémère, c'est-à-dire que toutes les parties aériennes de la plante disparaissent au mois de juin comme si elles n'avaient jamais existé. Lorsque vous voyez une érythrone en fleur, dites-vous que la fleur devant vous a au moins une dizaine d'années.